Bonjour messieurs. Alors messieurs les gendarmes, je me présente Jésus Tullus. Jésus Tullus, je pense que c'est un nom qui vous en dit un peu long. Un peu trop même. Un casier sur moi, et je suis fier d'être le connard de cette île. Les cas, je représente une belle famille. Cette famille, c'est celle Verus. Verus, il y a tellement d'honneur dans ce groupe que j'en pleure chaque jour. Le matin, le midi et le soir. Putain, j'en bande. Dans un groupement de mercenaires. Et ce soir, ils ont frappé un grand coup. Étalé tellement de KFC par terre, je vous dis pas, il y en a un qui s'est cassé la gueule. Dans tous les cas, il est clair et net que des poulets sont morts. C'est ce que je peux dire, ils sont morts bravement. Ou de manière idiote. Bref. Soir, nous revendiquons des faits assez historiques. Nous avons capturé un guignol et ce guignol s'est fait tabasser la gueule par un de nos sergents. Ou même, je dirais plus, un de nos chefs mercenaires. Et je le remercie d'avoir capturé ce guignol. Soir, mes hommes vont se faire plaisir. Ils vont se déchaîner sur un poulet. Un poulet qui ressemble à un schtroumpf. Hein. Un poulet bleu, quand même, c'est un peu bizarre. Dans tous les cas, il est pour nous. Bref, nous revendiquons cette attaque du nom du fait de l'harcèlement quotidien que nous avons subi sur notre territoire, de l'attaque sur notre convoi d'héroïne, comparé à il y a quelques jours, attaqué par des militaires. Nous avons bravement explosé. Exemple de quelques vies perdues chez nous. Mets des gants, mets des gants, t'as des gants sur toi? Ouais. Et chope-lui les couilles, tu les tires, que je puisse les couper, je vais lui faire bouffer. Ah, attends, excite-le un peu, il faut bien que ce soit. Il y a les nerfs qui sont actifs, ça sur le pénis. Je pense que qui va avoir non, du mal à non. s'exciter là. Ouh, d'un poil! Attends. Ah, attends, je te branle tu un veux peu ça. Là. Allez, veux... voilà, regarde, ça grandit! Ça violent, là, c'est une bonne saucisse. Non, tu craindras plus rien, mon gars. Attends, t'aimes ça. Ah oui! Ah, oh, putain, regarde les gants là! Oh putain, heureusement que j'avais un gant! Reculez, laissez espace. Ah, regardez-moi ce. Eh, il est bien équipé quand même, le con! Putain, le saucisse, enveloppe ça pour la campagne! Allez, ouvre la bouche! Oh! Il a un masque, quoi! Comment je vais pouvoir manger, quoi? Bah, on le fera pas manger, garde le saucisse! Eh non, j'ai une idée! Tu veux pas l'envoyer par le colis? Un colis aux gendarmes! Avec écrit. Ah, c'est une bonne idée! Pas bête! Il est ragé parce que ça pue quand même. Mets ça dans un carton. Bon les amis, il y a que les putain. Oh putain. Ah non mon petit. Putain. Es-tu prêt? Putain. 1, 2, 1. Putain non, 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 putain. Ah, on est malade, vous êtes tous des malades. Ça gueule, j'ai un plan, j'ai trouvé ça chez un asiatique. Tu vois les yeux là? Il en a plus besoin. Attends, attends, mon percé à travers le masque. Gays, chat, toi. Attends. J'ai trouvé tout pas de plis. Non, 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 non. T'es prêt, coupez oreille. On est malade, vous êtes fous. Vous êtes tous crevés. Non, t'inquiète. Est-ce que t'es prêt? Je crois qu'à la fin, allez, de vas-y, on va couper après. Mangera, ah, je te coupe l'oreille. Oh putain, mais. Mais c'est une aiguille. Attends, je le fous dans ce ventre. Est-ce que t'es prêt? Je pense, hein. Voilà. T'es prêt, mon petit? Oui. Et messieurs, on va le charger. Chargez, les amis. Vous êtes tous prêts à tirer, les amis. Bonjour. Ça va-t-il? 1, 2, 1, mettez-le.